Dans l'opération, ça que la police dans notre pays a mené dans la zone Baudemey Limonade, bien bonnet lundi 31 octobre 2023, la police touye 4 présumés bandits, arrêté 8 suspects, agent PNH saisi un pistolet, environ 19 cartouches différents calibres, 14 chargés d'armes gros calibre, yon grenade, yon bonbon, gaz lacrymogène. Opération sa mené, nan moment, force l'audio, tap cherché, présumé chef gang, qui rele, Jidlen Tanis, qui selon la police, gen plusieurs charges sous dol, tankou, association malfecte, détention illégale zamafe, selon explication, inspecteur divisionnaire Aoul Jean, qui se porte-parole PNH, nan nor pays. Au cours de l'opération, la police qui était faite, l'opération était faite en présence du commissaire du gouvernement cap-haïtien qui était accompagné des policiers. Et la police avait saisi un pistolet Beretta de calibre 45 que j'ai gardé et puis 7 cartouches de calibre 45. Ensuite, la police saisi 14 chargeurs qui prennent cartouches 5,56 mm. En outre, la police saisit aussi 12 cartouches 5,56 mm, puis c'est une douille que le bandit a été tiré et dans l'affrontement avec la police sur les lieux. Et je me dis, dans le cas suspect principal, la même qui c'est la Jidlen Tanis. Donc, au cours de l'affrontement qui a été gagné entre la police et le suspect, il y a eu 4 suspects qui sont arrivés touchés mortellement. Et bon, nous n'avons pas gagné de suspects, malheureusement, mais parmi eux, ils ont identifié un certain blé ainsi connu. Et puis, il y a 8 autres suspects, parmi eux, 2 garçons et 6 filles, que la police a interpellés pour audition. Donc, selon l'information que la police a gagnée, il y a gagné plusieurs autres suspects qui ont mis pendant le voilier avec 2 armes longues que ont gagné en possession, qui ont en dedans par la tour. Donc, enquête la police a poursuivi et nous sommes traces suspects. Je voulais mentionner qu'il y a plusieurs autres bagages en plus de armes. Que la police saisit, donc pour nous avons grenade à fragmentation, gagnant bonbonne lacrymogène, gagnant puis l'autre article que ça gagne, voiture que la police confisquée, tout gagne plusieurs balles. Opération en fait matin, 31 octobre 2023, vers 4h. La qui zone même dans le Méniac, bord de mer de Limonade. Il y a plus de monde qui fait plus de 20 personnes qui portent la police. Et nous avons recruté 4 suspects qui ont touché mortellement et c'est sur les lieux. Donc c'est ça l'information. Porte-parole PNH Noa salue bourrade autorité dans le département qui permet de continuer à mettre en bas code gang Améo dans la région Noa pendant qu'ils continuent à demander support à collaboration population. Gérard Maxino, Cap-Haïtien pour la Voix d'Amérique.